La commission mixte mairie-syndicat du patronat des transporteurs de l'intersyndicale des chauffeurs taxis et bus est en pleine campagne de sensibilisation sur les frais d'armoirie et sur la numérotation des portières de véhicules de transport en commun est à pied d'œuvre depuis le 30 avril dernier par des descentes effectuées dans les différents arrondissements de la ville de Pointe-Noire. Freddy Badinkila, vice-président de la FESITEC, parle de cet axe qui devait entrer en vigueur d'ici peu. Les années passées, il y avait une numération de taxis sur les portières. Et c'est ça aussi, c'est pour donner aussi un fichier général de notre département. Parce que ce n'est pas n'importe quel véhicule qui doit transporter les gens dans la ville de Pointe-Noire. Ici, là, nous voyons beaucoup de gens prennent des risques de faire ce travail-là, alors qu'il n'est pas taximène, alors que le véhicule n'a pas un caractère commercial. Désormais, nous devrons reprendre avec le fichier. Donc le premier taxi, le deuxième, jusqu'à des milliers de taxis. Parce que hier, quelqu'un pourrait faire même un accident et il peut disparaître de la ville. Parce qu'il n'y a pas un fichier général. Aujourd'hui, on connaît que non, c'est le journaliste Intel qui a ce véhicule-là. Quand vous partez à la Dirat, quand vous partez à la préfecture, en tout cas facilement, on peut vous prendre. Payer ces taxes, c'est un droit civique. Pourquoi dirais-je que c'est une charge de plus? C'est pas une charge de plus. Mais puis hier, nous autres, nous sommes des anciens chauffeurs. Nous avions payé ça. Mais si on paye ça aujourd'hui, ça devient une charge. Ce n'est pas une charge. De cette sensibilisation qui est en train de se faire dans la ville de Pointe-Noire, les montants suivants sont à retenir. Nous avons modifié. Ça, c'est l'ancienne délibération. Ici, ça disait 60 000 francs le minibus, et aujourd'hui le minibus est à 20 000 francs. Donc le taxi était à 50 000 francs, aujourd'hui le taxi est à 15 000 francs, et les gros véhicules TV, TM, TVM à 25 000 francs. Et les kawaki, les trois roues là, aujourd'hui à 10 000 francs. Donc nous nous sommes retrouvés ensemble avec la mairie centrale pour regarder, nous avons discuté, nous avons eu beaucoup de séances de travail sur cette question et nous avons eu conclusion, raison pour laquelle il faille donc passer par l'information, la vulgarisation de texte aux contribuables et chose faite. Il s'est de rappeler que cette délibération fixant le paiement des frais d'armoirie de la ville et de la numérotation des bus, minibus, taxis ordinaires et taxis sans-son exploitant dans la commune de Pointe-Noire date du 23 décembre 1995, délibérée et adoptée.